Donc c'est le Colossus 2 de Berlétan, de la société Shark. C'est des robots qui sont téléopérés à distance. Donc il est doté d'un bélier motorisé avec une caméra de pilotage et deux spots d'éclairage. Ce bélier motorisé va pouvoir lui permettre soit de déplacer un objet, soit de se frayer un passage au travers de gravats ou divers obstacles. Donc le robot fait un poids d'environ 600 kg tout équipé. Il a une hauteur de 78 cm qui lui permet de passer à travers une porte. Et il est capable de tirer l'établissement en eau d'environ 200 mètres. On va également retrouver un treuil avec une force d'environ 1 tonne qui va pouvoir lui permettre de déplacer un objet. C'est un robot qui est doté d'un canon qui peut monter jusqu'à 3000 litres à la minute. Ce canon est motorisé et pilotable à distance et qui est également équipé d'une caméra d'information. On retrouve à l'arrière une tourelle qui est dotée de deux caméras, une caméra thermique avec report de l'information sur la tablette également, et une caméra avec zoom optique également reportée sur la tablette. Celles-ci sont également manœuvrables à distance, comme le canon et tout l'engin. On va également y trouver deux projecteurs à LED pour donner de l'éclairage dans la zone d'évolution du robot. À l'arrière, on retrouve la caisse contenant les 6 batteries d'alimentation du robot, les 2 antennes du réseau Wi-Fi qui vont permettre de relier le robot à la tablette de commande. On va retrouver la capacité en batterie du robot, la température à proximité du robot, la qualité du signal et la capacité de la batterie de la tablette.